Bonjour, bonsoir à tous. On attaque une petite série de trèfles. Pour moi, c'est un début de tournage et je suis pompé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Allez, on va attaquer avec une arme que j'aime pas forcément. Parce que c'en est pas un. Enfin, pas un vrai. Le Glock 19X. Alors, j'entends beaucoup de choses sur le Glock 19X. Très franchement, moi je le connais mal. Je l'ai pris parce que voilà. Il me semble que c'est la carcasse d'un 17 avec la culasse d'un 19 ou le contraire, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Moi, il y a un truc qui me gonfle, c'est qu'il n'a plus son percuteur plat. Celui-là, il a un percuteur rond classique. Rien que ça, ça m'énerve. Me demandez pas, hein, mais rien que ça, ça m'énerve. Je sais aussi que je fais des scores détestables avec, ce qui me donne une double raison de ne pas l'aimer. Allez hop, on va se faire un petit chargeur. Bon, le chargeur en revanche a l'air sympa comme peut l'être le chargeur d'un Glock, mais en plus il a une rallonge de talon qui est sympa. Moi j'aime bien. Pour la couleur, je pense qu'il existe en noir, hein, comme tout le monde. Là, celui-là, il est en tan, mais ça doit être le hasard complet. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, niveau prise en main, c'est sympa parce que c'est vrai qu'il a un dos qui remonte très très haut jusqu'au busque. Bon, ça d'accord. Son talon de chargeur, oui, on peut mettre le petit doigt. Pourquoi pas? Les organes de visée, ce sont les mêmes. Littéralement, on va voir. Ils viennent se casser la gueule, là? Ah, oui. Ah, oui, c'est vrai. Bon. Combien il m'en reste, là? 4. Ça pourrait être mieux que ça. Je comprends pas pourquoi cette ligne droite, là, mais ça pourrait être mieux que ça. Bon, peut-être parce que je vais un peu vite, aussi, hein, mais... un petit peu de tir rapide... Je sais pas où j'ai tiré. J'ai aucune idée d'où j'ai tiré. Bon, c'est pas grave. Je suis peut-être un peu haut. Oui. Oui, mais pour moi, il a une poignée qui est différente. Ça, c'est clair et net. Mais à part ça, ça reste un Glock, quoi. C'est pas grand-chose de différent avec n'importe quel autre Glock en 9-19. Enfin, franchement, vous me fileriez un 19. En termes de prise en main, pourquoi pas? Et encore, celle-là, je la trouve pas forcément plus agréable. Elle est différente, mais je la trouve pas forcément plus agréable. Maintenant, vous me donneriez un 19. Franchement, je crois que je fais la même chose, quoi. Oui. Mais ce qui m'énerve, c'est son percuteur rond. Voilà, c'est tout. Allez! Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trèfle. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao !